Salut mon dédou, c'est Shirami. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Let's go! 26 ans de vie! 26 ans où je suis dépressive. Let's go! Mais c'est aussi 4 ans de chaîne YouTube, hein, parce que bah, ça fait maintenant 4 ans que j'ai posté ma première vidéo sur. Enfin, que j'ai relancé la chaîne YouTube en parlant de Wakfu et en me concentrant que sur Wakfu. Et je pensais pas que je tiendrais jusque-là, à vrai dire. Donc ça, c'est assez surprenant. Mais c'est aussi l'anniversaire du jeu en lui-même, Wakfu. Et ça fait 12 ans que le jeu existe. Oh là là, je suis vieille. Je me sens vieille quand j'entends ça. Bref, vous aurez compris que en cette date, toutes les planètes s'allient entre mon anniversaire, l'anniversaire de la chaîne, celui de Wakfu, mais aussi celui de Justin Bieber et du premier What the Cut. Bref. Ouais, j'ai cité What the Cut, je suis vieille. Bref, aujourd'hui c'est une petite ouverture de coffre, hein, parce que bon, ça boîte mon anniversaire. Ça n'empêche qu'on a quand même des coffres à ouvrir, et on a quand même pas mal de coffres à ouvrir THL. Enfin, HL et THL à ouvrir, donc ça c'est plutôt cool. Et bah, même comme d'habitude, à chaque fois que j'ouvre des coffres, en fond, bah, j'aurai des petites choses à vous dire. Et même si ces 2 derniers mois ont été très complexe en termes de vie privée de mon côté, hein, avec des déboires de thunes, mais ça, bon, bah, ça c'est, je vais pas rentrer dans les détails. Et ben aujourd'hui, je n'ai quasiment que des bonnes choses à vous dire, à vous raconter en termes de projet, et aussi peut-être une petite demande avec l'approche des 2000 abonnés. Mais bon, pour savoir de quoi il en découle, bon, bah, il n'y a plus qu'à suivre cette ouverture de coffre. Et évidemment, si la vidéo te plaît et que tu aimes mon contenu, et bah, je t'invite évidemment à t'abonner, ça me ferait super plaisir, surtout que c'est l'occasion de me faire plaisir, c'est mon anniversaire, bordel! Bref, sans plus tarder, on va passer aux ouvertures de coffre et aux news que j'ai à vous dire. Alors, au niveau des coffres qu'on va ouvrir ce mois-ci, on a un peu de coffre 140. Alors, j'ai pas tout fait le 140, hein, j'ai fait le maximum de donjons 140, sauf la Fungopée, parce que bon, je déteste ce donjon, hein, et j'avais pas envie de me triturer le cerveau pour un donjon 140 ce mois-ci. J'ai aussi bah, fait quelques donjons 150, mais sans le Blob Pera, parce que le Blob Pera, avec la team que j'ai actuellement, je ne peux pas le passer, donc. Bah, ça sera pour une autre fois le Blob Pera. Et effectivement, j'ai fait aussi tous les donjons 170 au Stasis 3, sauf le Xelorium passé, parce que avec ma team, pareil, j'ai beaucoup de mal à passer la phase du boss en Stasis 3, donc en T1, parce que bon, il y a sa phase où il transpositionne tous les personnages, et c'est un petit peu compliqué, je trouve, selon moi pour l'instant, avec la team que j'ai actuellement. Et aussi, petite nouveauté de ce mois-ci, c'est que j'ai commencé un peu à taper le niveau 200. Et bon, j'ai fait quasiment que du Stasis 1 sur tous les niveaux 200, hein. Faut pas s'attendre non plus à des dingueries. Mais voilà, j'ai commencé à taper le niveau 200. Ça y est, quasiment tous mes persos sont level 200. Alors bon, je les ai fait avec un stuff, un peu du schnapps, avec du stuff fait avec bah, du 170 et du 155. Donc c'est pour ça que j'ai pas monté aussi haut que ça le Stasis, parce qu'il me faut un peu de Kama pour me faire mes stuff 200. Et donc du coup, je les ai fait avec bah, des items un peu du schnapps en 170, 155, quoi. Mais bon, le résultat est là. J'ai fait les 5 donjons 6 joueurs de la tranche de sang, et j'ai un peu redécouvert ces donjons que j'ai pas fait depuis longtemps, et du coup, ça me fait extrêmement plaisir. Déjà, la première chose que j'ai à vous dire dans cette vidéo ouverture de coffre, eh ben, c'est un grand et sincère merci, parce que ça fait 4 ans que j'ai relancé la chaîne orientée autour de Wakfu, 4 ans que je propose des vidéos sur lesquelles vous êtes au rendez-vous, 4 ans que je me donne du mal et vous me le rendez très très bien. Et vous êtes des amours, et pour ça, bah, je voulais vous remercier pour ces 4 ans de plaisir absolu à vous proposer du contenu sur cette chaîne. Bah, vous remercier pour toute l'attention et bah, que vous apportez à mon contenu. Et ça, franchement, ça me fait plaisir. Moi, personnellement, quand j'ai relancé la chaîne il y a 4 ans autour de Wakfu, je pensais sincèrement pas que j'allais continuer 4 ans plus tard à faire des vidéos et à même accélérer le pas sur leur sortie.
sorti des vidéos. Il y a des choses que j'imaginais pas comme ça, comme c'est aujourd'hui. Par exemple, j'imaginais pas que ma chaîne aurait tourné beaucoup plus autour des guides proposés aux joueurs que ce qui était prévu à la base, à savoir un petit peu plus un côté fun à faire sur le jeu pour montrer que au-delà de faire des donjons, au-delà de faire du contenu PVM à Ostasis, il y avait la possibilité sur le jeu de s'amuser de manière différente, mais bon, c'est pas grave, je ne regrette pas le fait que voilà, mon contenu soit beaucoup plus didacticiel. C'est un truc que j'aime faire aussi, quelque part, aider les nouveaux joueurs à progresser sur le jeu et à leur donner des conseils pour qu'ils s'améliorent ou pour qu'ils comprennent un petit peu plus le jeu, parce que c'est vrai que Wakfu, c'est un jeu qui ne te tient pas par la main dans tes premières heures de jeu, et bah moi, bizarrement, ça me semblait assez finalement cohérent que je sois quelqu'un qui aide un peu les gens, parce que voilà, ça me fait plaisir d'aider, tout simplement. Donc voilà, encore merci pour ces 4 ans de visionnage de vidéos, de bonheur, et il y a eu des hauts et des bas, c'est sûr, évidemment. Mais en globalité, de ces 4 ans, je ne retiens que le meilleur finalement. Mais, ce 1er mars, c'est pas seulement signe d'anniversaire pour la chaîne, pour moi et pour le jeu, c'est aussi signe qu'on approche des 2000 abonnés. Et même il y a 4 ans, je pensais pas qu'on allait atteindre aussi ces 2000 abonnés. Et je me disais que pour marquer le coup, je pourrais vous proposer un truc spécifique, parce que bon, c'est vrai que pour les paliers des 1000 abonnés, j'ai pas fait grand chose, je trouve. Et je me suis dit que pour les 2000 abonnés, je pourrais vous marquer le coup avec une vidéo spécifique. Mais j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse. Le projet en question, bon, c'est pas très très... c'est pas non plus le projet du siècle, hein, c'est juste une petite FAQ. Mais bon, voilà, je voulais savoir si ça intéressait des gens en Big 2024 de poser des petites questions auxquelles je pourrais répondre en vidéo et que sur des trucs que je n'ai jamais vraiment dit sur la chaîne, parce que vous avez l'esprit mal... Enfin, vous avez une curiosité mal placée ou quoi que ce soit. Alors ça aurait pu être des questions sur mon rapport au jeu, mon rapport à la création sur YouTube, ou juste sur ma vie un peu perso. Tant que je réponds, c'est que ça va, j'ai pas de mal à y répondre. Vous pouvez tenter les questions, si j'y réponds pas, c'est que c'est trop personnel et que j'ai pas envie d'y répondre. Mais pour ça, je voudrais savoir s'il y a assez de gens qui sont intéressés pour que je fasse une FAQ pour les 2000 abonnés, et pour ça, bah, j'ai besoin que vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi répondre aussi sur le Discord, et d'ailleurs je pense très sincèrement que pour essayer de récupérer toutes les questions les plus simplement possible, au lieu de passer par l'interface de commentaires de YouTube, je vous proposerai peut-être de passer par un canal spécifique sur le Discord. Donc si ça vous intéresse de faire une FAQ, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Vous lisez les règles, vous cliquez sur la petite réaction Doge pour entrer dans le reste du Discord, et je vous notifierai sur je trouve qu'il y a un intérêt à faire une FAQ selon s'il y a assez de gens qui sont intéressés en commentaire YouTube ou sur Discord. Donc je pense que je créerai un petit canal Discord pour poser les questions, et aux 2000 abonnés, ben, je ferai cette vidéo si ça vous intéresse, hein. Si je vois que ça vous intéresse pas, bah c'est pas grave, j'en ferai pas, et puis basta quoi. Donc c'est à vous de me dire si ça vous intéresse. Comme je vous le dis et je vous le répète, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à venir sur le Discord pour être notifié au moment où je créerai le fameux canal de FAQ pour poser vos questions. Alors c'est vrai qu'une FAQ en 2024, c'est saut 2015, mais bon voilà, je me suis dit, c'est un truc rigolo à faire, donc pourquoi pas finalement. Et enfin, je voudrais terminer en parlant un peu de petites news sur les projets qui arriveront jusqu'à cet été, du moins jusqu'à cet été. Alors déjà, première chose que je voudrais préciser, je pense, alors il y aura toujours une ou deux vidéos par semaine
au moins jusqu'en juin. Mais cela dit, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est une cadence de vidéo qui est assez vénère. Et même si j'arrive à tenir cette cadence depuis septembre, j'ai un petit peu peur, tu vois, qu'il y a un moment où j'ai un burn-out créatif. Alors, dire créatif pour des vidéos sur Internet, bon, c'est peut-être un peu over-hypé le truc. Mais bon, vous comprenez le truc, c'est que, bon, bah, en fait, je crée tellement de vidéos, je suis tellement en mode speedrun pour faire des vidéos, que bah, je perds un peu des idées de vidéos à faire et ça me bouffe le moral de ne pas trouver d'idées de vidéos. Donc, je pense très certainement faire soit en avril, soit en mai, une petite pause d'un petit mois, comme l'année dernière, où je me ressource un peu, je sors pas de vidéo, je continuerai forcément à peut-être à jouer à Wafou de mon côté, évidemment, ou à faire autre chose, hein, qui sait. Mais voilà, prendre un petit mois de pause en juin, en avril ou en mai, là où il y a un petit creux au niveau, voilà, des gens qui regardent YouTube, pour vraiment booster les vidéos à partir de juin. Donc, vous serez aussi là aussi notifié de quand je prendrai une petite pause de vidéo sur le Discord, sur le canal dédié, et aussi en post communautaire sur YouTube. Et aussi en juin, j'ai une idée de projet. Bah, je veux faire une petite pause parce que justement, en juin, j'ai une petite idée de projet à faire pour m'amuser. Et qui permettrait bah d'en faire une petite série de vidéos. Et je voulais vous partager ça, mais ça va demander un petit peu de boulot supplémentaire par rapport à ce que je fais comme sortie de vidéo d'habitude. Donc, avoir un petit mois pour me ressourcer avant de lancer ce petit projet, bah ça serait une bonne idée, quoi. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que petite pause de vidéo en mai ou en avril, selon comment je le sens, et vous serez notifié sur Discord ou sur YouTube en post communautaire, et surtout aussi en juin il y aura un gros projet qui sortira sur la chaîne en plus des vidéos classiques qui sortiront dessus. Et bah voilà, en fait, finalement, dans cette vidéo, il n'y a quasiment que des bonnes nouvelles. Alors, si vraiment il y a un imprévu, quoi que ce soit, bon, vous serez notifié sur le Discord ou en post communautaire, comme ça a été le cas ce mois-ci avec mes multiples coupures de Internet. Mais bon, voilà, pour l'instant, pas de mauvaises nouvelles, quoi. Bref, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo ouverture de coffre, anniversaire et quoi que ce soit. J'ai l'impression d'avoir oublié de dire un truc. Ah oui, aussi, vu que c'est l'anniversaire de Wakfu, n'oubliez pas de passer à la boutique parce qu'il y aura énormément de cosmétiques à avoir gratuitement sur le jeu. Pour ces 12 ans de jeu, on aura des cosmétiques liés aux anciens anniversaires, donc le costume des 5 ans, des 10 ans qui a été fait en concours. Bon, j'ai un peu le seum de ne pas avoir gagné le concours de costume, mais c'est une autre histoire. Et on a aussi le droit à un nouveau costume, le costume céleste, qui est très très beau et qui me fait penser un peu à une référence à Joe Jojo, à Weather Report. Bon, après, bon, c'est peut-être que moi qui suis et qui soit matrixé par Jojo, qui sait. Bref, écoutez, si ça vous a plu et si vous voulez en voir plus de vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important et ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour rejoindre la guilde sur Pandora, pour être notifié des vidéos qui vont être sorties pour la FAQ, etc. Pour aussi discuter bien évidemment de Wakfu et de Waven, c'est très important, c'est cool. Et vous pouvez aussi rejoindre tous les autres réseaux en description, tels que le TikTok pour des vidéos un petit peu plus courtes. Bref, c'était Shiranui, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous bisous!